Meghan Markle et sa demi-sœur Samantha Markle sont plus similaires qu'elles ne le pensent, a déclaré un astrologue célèbre. Meghan Markle a démissionné de son rôle de royal senior il y a 2 ans. Elle et son mari, le prince Harry, résident maintenant à Montecito, en Californie, avec leurs 2 enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana. Après leur sortie, le duc et la duchesse de Sussex se sont assis avec Oprah Winfrey pour une interview révélatrice explosive. On pense que la sortie et les allégations ultérieures portées contre le cabinet ont formé un fossé entre les Sussex et la famille royale. Le couple n'est pas retourné au Royaume-Uni ensemble depuis leur départ, et la famille royale, à l'exception de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank, n'aurait pas encore rencontré le plus jeune enfant des Sussex, Lilibet. Le couple royal est séparé du côté de la famille de Meghan. Il est entendu que la duchesse n'a pas parlé à son père, Thomas Markle, depuis son mariage avec Harry il y a près de 4 ans. Il s'est prononcé à plusieurs reprises dans les médias pour critiquer sa fille et lui demander de le contacter, la demi-sœur de Meghan, Samantha. A également parlé d'elle dans les médias et a même écrit un livre à son sujet. Cependant, dans l'interview des OPRH, la duchesse a affirmé que sa demi-sœur, Samantha, ne la connaissait pas. En référence au livre révélateur de Samantha, The Diary of Princess Pushy Sister par 1, Meghan a déclaré « Je pense qu'il serait difficile de tout dire quand vous ne me connaissez pas. » Elle a poursuivi « J'ai grandi en tant qu'enfant unique. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a au moins 18, 19 ans, et avant cela, 10 ans avant, malgré les informations selon lesquelles les demi-sœurs sont éloignées. » L'astrologue célèbre Emily Adam pense que le couple est plus similaire qu'il ne le pense et a l'impression qu'ils ont été ensemble dans des vies antérieures. S'adressant à elle épisode de vendredi du podcast Too Deep for Daily, elle a déclaré « J'ai l'impression qu'ils ont également été ensemble dans des vies antérieures. Ils subissent tous les deux une perte dans leur vie actuelle, dans cette vie, mais à des niveaux différents. Ils sont plus similaires qu'ils ne le pensent. »